Bonjour, c'est Jane Kid, je suis heureux de vous retrouver. Alors, c'est une vidéo de l'année dernière, elle est complètement hors série de tout et n'importe quoi. Alors, c'est une vidéo que j'avais tournée au mois de juin 2020 à Pont-Gigaud, dans le Puy-de-Dôme, département 63. Très belle région d'ailleurs, l'Auvergne et tout ça, les volcans, hein, Vulcania, vous connaissez, c'est vrai. Bref, si jamais vous voyez que l'humour est différent, parce qu'il y a quand même une partie où je me filme, où je suis filmé là-bas, et c'est un château qui était plutôt pas mal, et c'est des vidéos que je retrouve accidentellement, et vu que je n'ai jamais publié cette vidéo, bah, j'en profite pour le faire. Alors derrière moi, c'est une porte, c'est l'ancienne porte de la ville. Maintenant, ils ont perdu les clés, donc ils ont cassé la. Ils ont tout cassé, du coup. C'est moins pratique, tu vois. Alors, ce qui est plutôt pas mal à cet endroit, c'est que c'est beau, c'est un peu perdu, c'est pas loin de Clermont-Ferrand, c'est pas loin d'Orléans, c'est pas loin de Paris. Bon, si on plie la carte, clairement, c'est pas loin de tout. Non, mais c'est un très bel endroit qui n'est pas visitable tout le temps, c'est dommage. J'en parle un peu plus loin dans la vidéo, vous verrez. Mais c'est un château qui a son petit mérite d'être mignon. Il est mignon, il faut dire ce qu'il est. Il est agréable à visiter. Les parties que j'ai pu faire, parce que tout n'était pas accessible, mais on peut voir des endroits plutôt sympas. C'est mignon, vraiment. Et transition cheminée totalement, oui, je la tente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager ma vidéo à vos amis, à vos proches, à Papy Raymond et à Mamie Simone, à tout le monde que vous voyez dans la rue, vous gueulez, allez vous abonner à la chaîne de Giant Kids, etc., etc. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, même un pouce rouge, on s'en fiche, on quelle interaction, c'est une dupe, s'en fiche. Non, je rigole. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. J'ai plein de commentaires à valider qui sont en attente. C'est un peu de boulot à faire, mais il faut que je le fasse un jour. Et quand on voit une vue comme ça, c'est clair que j'ai pas forcément envie de le faire maintenant, mais j'ai envie de profiter. Je me souviens également que j'avais fait des photos plutôt sympas de ce lieu-là, que je n'ai jamais publiées sur Instagram. C'est dommage, parce que là, quand on voit le château à cette allure-là, il est beau, il est magnifique, hein. Si d'ailleurs il y a des comédiens qui veulent jouer là-haut, Seigneur des Anneaux 10, Kaamelott 3, Kaamelott 5, Matrix 10, allez, on s'en fiche. Non, bref, c'est vraiment un endroit qui est vraiment agréable. Et tout ça, bien sûr, filmé pendant l'après-confinement, ça veut rien dire, mais c'est pas grave, le cœur y est. C'était en juin, après les 2 mois et demi de privation. On était sorti dehors. Moi, j'en ai profité pour me balader un peu partout en France. Durant l'été 2020, j'ai été en Auvergne, j'ai été en Normandie pas mal de fois et j'ai vraiment kiffé ma life. Alors c'est tout de fois magnifique quand même. Je suis en altitude encore une nouvelle fois. Alors là, je suis la tête dans les nuages, clairement, en fait, c'est fantastique. Je suis au sommet d'une petite tour. Je suis à 3 heures d'Orléans. Donc au final, tu peux venir ici une journée. C'est des paysans. Bon, masque obligatoire du coup forcément. Mais par contre, c'est agréable. Bon, par contre, seul bémol, le petit château derrière moi n'est pas visitable car il est habité. Il y a quelqu'un dedans, c'est fort dommage. C'est dommage, hein. Mais par contre, il y a des visites de dessus et c'est le mercredi. Mais le mercredi, est-ce que je serai là? Peut-être pas, peut-être que si. Mais je sais pas. À voir ce que l'avenir me préserve ici. Alors, petit détail insolite, c'est bien Jeanne d'Arc. C'est Jeanne d'Arc, clairement, qui est là. Jeanne d'Arc que je retrouve un peu partout en France,
qui est plutôt insolite et improbable, car il y a des endroits où on ne pense pas croiser du tout Jeanne d'Arc, et en fait, elle est là. Le coin le plus paumé où j'ai pu la voir, c'est Cherbourg. Cherbourg, improbable. Je tombe nez à nez qu'il y a une statue de Jeanne d'Arc dans la cathédrale de Cherbourg, ce qui est insolite. Comme là, la situation improbable de tomber sur Jeanne d'Arc. Alors, là, c'était dans une petite balade dans la jungle, et on peut voir les petits forteresses, les petits remparts à côté du château qui bordent la forêt. C'est pas un gros château, mais c'est un château qui peut se faire en famille assez rapidement et c'est accessible à tout le monde. D'ailleurs, il est dans le centre-ville de Pont-Gibaud. Si vous avez l'occasion d'y aller, allez-y. C'est un endroit qui peut être sympa à faire et bien sûr à visiter. Et quand j'y retournerai dans la région, pourquoi pas refaire une vidéo sur ce lieu avec plus de détails, des informations sur ce lieu, car il n'y en aura pas du tout dans cette vidéo. Clairement, ce n'est pas le but de cette vidéo, c'est de la découverte insolite. Bon, on peut dire ça comme ça, mais c'est quand même agréable de découvrir des beaux endroits en France, dans notre pays, qui est important de faire tourner la planche, la partie touristique, quand même. Et petite transition, brin d'herbe, c'est la fin de la vidéo. Je vais faire un petit débrief de l'actualité de la chaîne que j'ai. Je vais suivre ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo. Le rythme va vraiment reprendre une vidéo par semaine environ, et ça va être la norme jusqu'à l'année prochaine au moins. Et d'accélérer le rythme pour essayer d'avoir les 1000 abonnés le plus rapidement possible. Alors, pas pour gratter de l'argent, c'est juste pour pouvoir investir cet argent gagné pour des projets, pour des road trips et pour faire des actions plus grosses que celles que je suis en train de faire. Et également de pouvoir partager avec vous des endroits insolites en France et de partager, que ce soit ici ou sur Instagram, des beaux clichés, des belles vidéos. Et plus il y aura d'abonnés, plus ça sera et mieux ça sera pour moi et pour vous. Et bien sûr, on verra ce que ça donnera en 2022. Un peu trop de vent sur la vidéo d'origine, mais c'est pas grave, le cœur y est. En plus, vous avez la voix. Et moi-même, l'année dernière, j'avais 26 ans. Encore à cette époque-là, j'étais jeune. Ouais, j'avais 26 ans. J'étais jeune. Bref, je vous remercie sincèrement du visionnage. Je vous fais des gros bisous. C'était Chris. À la prochaine. N'oubliez pas de suivre la chaîne pour ne rien louper à la suite du programme. Et merci d'être là.